ça qu'a fait ces artistes panou en Belgique. Ok, ok, yon belle salutation à chaque monde qui fait partie belle communauté ça, Altenor TV. Nous souhaitons bienvenue l'autre fois dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo aujourd'hui, nous allons parler d'un jeune artiste féminin qui charge talent. Yon artiste qui a fait un pile parler en pile dans HMI là, dans le dernier temps. Jean, en pile monde t'a demandé depuis semaine passée, yon t'a remé nous font parler de Beijing. Par exemple, qui côté li fait, dans qui année li fait, qui vrai nom li, dans qui année li commencé chanter, et qui ça qui sous inspiration, côté li jeune belle musique ça ou la plaide la gué comme ça, eh bien, ou ap jeune toute belle réponse ça ou dans cette vidéo ça. Nous espérons regarder vidéo ça jusqu'à la fin pour qu'on plus bagay de jeune artiste ça, ta fait un pile parler en pile dans HMI là, dans dernier temps ça ou. On commence. Vrai nom lycée Marie Beijing Love David. Li prend naissance yon 3 janvier dans l'année 1998 dans ville Port-au-Prince. Beijing commence chanter depuis l'el ti tout petit. Li lance carrière musicale li officiellement dans l'année 2016. Beijing t'est arrivé sorti plusieurs musiques dans l'époque ça, mais malheureusement yon pas arrivé fait trop gros succès. Première musique la titre d'amour, li te sorti dans l'année 2016 et on l'autre musique qui titre différent dans l'année 2018. Malgré toutes difficultés ça yo, Beijing pa jam suspend travail, li collaborer avec plusieurs autres artistes tant que Fantôme Mac Mathias dans une musique qui titre présentation à l'équilé, dans l'aide des blâmes avec Fantôme, dans m'senti m'remè avec Best Joe et moi remets un plus fort avec Fredlin. Dans l'année 2019, Cadillac, un jeune artiste qui chargeait talent, t'a prêt à contacter Beijing pour un nouveau projet. Et bien c'est là public là t'a plus focus sur Beijing. Dans belle musique ça qui titré Faux promesse. Dans moment on a parlé à musique ça a gagné environ 6 millions de views sur YouTube. Yon musique qui marqué année 2019. Malgré ça, Beijing a travaillé, Beijing continue à frapper. Dans l'année 2020, il sorti deux musiques en solo. Première musique l'intitulé Va-t'en bébé et deuxième là Kita Nago. Yon musique mes amis qui a fait un pile lobé en Haïti dans moment n'a parlé, Kita Nago a joué tout côté. Et dernière musique qui va faire toute média focus sous Beijing là, c'est pour qu'il t'est marié, yon belle collaboration avec Cadillac dans fin année 2020. Musique ça actuellement, li gen environ 7 millions views sur YouTube, li fait dans seulement un mois, yon nan plus gros record dans HMI. En gros, ces informations ça nous t'ai porté concernant Beijing. Jeune artiste ça cap évolué très bien dans mode musical là. Kounya c'est moment pas pour dire qui sont pensés de bel talent ça. Est-ce que possible pour nommer meilleur artiste pour année 2021? Juste dis nous ça penser dans un commentaire et pas oublier dis nous dès qui l'autre artiste ou t'a aimé nous parler dans l'autre vidéo n'a bien pour nous faire sous channel là. Et pas oublier sous nouveau channel là, meilleure façon de capable supporter nous, c'est profiter, abonner et inviter des trois amis faire ça pour ne pas rater aucun autre vidéo n'a bien pour nous laguer. Ciao ciao à la prochaine, n'a croisé dans l'autre vidéo. C'est artiste panou en Beijing.